Bonsoir à tous, bienvenue dans le sixième épisode de Fiamo raconte des histoires. Alors cette fois nous allons quitter la Polynésie et nous allons aller dans un endroit beaucoup plus proche de chez nous puisque nous allons nous arrêter à Rome. Et pas Rome actuelle, non, Rome d'il y a très longtemps, en 507 avant Jésus-Christ, à la fin de la royauté. Je vais vous raconter l'histoire de comment la royauté romaine a disparu et a été remplacée par la République. Alors, on pourrait se dire que c'est que là, je raconte de l'histoire et que je raconte plus une histoire, mais en fait, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. En tout cas, l'histoire que je vais raconter ici est légendaire et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, justement, Rome. Le dernier roi de Rome s'appelle Tarquin. Tarquin le Superbe. C'est un étrusque, donc c'est pas vraiment un romain de souche. Alors, superbe, quand je dis superbe, ça veut pas dire qu'il était magnifique. Non. Ça veut dire qu'en fait, c'est du latin superbus. Ça veut dire qu'il était orgueilleux. Donc il était assez orgueilleux et pas très apprécié du commun des Romains, surtout qu'il avait un peu pris le pouvoir par un coup d'état. Et il se trouve que Tarquin le Superbe, avec son armée romaine, était en train de faire le siège d'une ville qui s'appelle Ardée, qui est située dans l'actuelle banlieue de Rome, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment de banlieue, c'était une ville indépendante que les Romains assiégeaient. Un certain nombre de capitaines, personnages haut gradés dans l'armée, étaient réunis. Il s'agissait essentiellement des enfants de Tarquin le Superbe et de leur cousin, Collatin. Et ils se disputent pour savoir quelle est la femme, qui, parmi leurs femmes à eux, laquelle est la plus vertueuse et la plus belle. Et Collatin dit que c'est la sienne, qui est la plus belle. Alors, il décide d'aller, justement, chez ce Collatin, donc à Collati, une ville aussi située dans l'actuelle banlieue de Rome, pour voir ce que fait la femme de Collatin et voir si vraiment elle est vertueuse et très très belle. Cette femme s'appelle Lucrèce. Donc ils s'y rendent, ça met quelques heures, ils s'y rendent et ils regardent un peu, sans se faire surprendre, ce que les femmes étaient en train de faire. Il y avait une petite soirée, donc les filles étaient en train de s'amuser, mais il y en avait une qui était en train de tisser. Et il se trouve que c'était Lucrèce qui était là, au milieu des autres, à faire son travail domestique, alors que les autres s'amusaient. Donc pour les Romains, à l'époque, c'était considéré comme très vertueux que de faire cela. Et du coup, ils en conviennent qu'effectivement, leur femme ne fait pas l'équivalent de Lucrèce, donc Lucrèce est effectivement très vertueuse, et ils conviennent aussi que Lucrèce est particulièrement belle. C'est l'une des plus belles femmes romaines. Hein. Alors, ils retournent au camp, mais il y a un des enfants de Tarquin, qui s'appelle Sextus, qui réfléchit et qui, lui, il éprouve un désir tout particulier. À partir du moment où il l'a vu, il a éprouvé un désir très particulier pour elle. Vraiment, il avait envie de coucher avec elle, pas forcément d'avoir une relation amoureuse, non, vraiment de coucher avec elle. Déjà parce qu'il y avait pas mal de challenge de séduire une femme vertueuse, et puis aussi il la trouvait vraiment très très belle. Il réfléchit, ça se passe pendant plusieurs nuits. Et puis un soir il se rend à Collati, donc les gens lui ouvrent les portes bien chaleureusement, puisque c'était le cousin du maître des lieux, et bon, tout le monde va se coucher, et puis la nuit il se glisse en catimini dans la chambre de Lucrèce, il prend son épée et il la met sur son sein. Qu'est-ce que tu me veux, Lucrèce? Je suis fou de désir pour toi. Accepte de coucher avec moi cette nuit. Ça va pas, non? Je suis une femme mariée, voyons. Rien à faire, je suis le fils de ton roi, fais ce que je te dis. Certainement pas, ce n'est pas parce que tu es le fils de roi que tu es au-dessus des lois. Bien sûr que si, je suis au-dessus des lois, malheureuse. Allez, accepte de coucher avec moi ou sinon je te tue. Ça m'est égal de mourir. Je préfère largement mourir plutôt que de perdre ma vertu, surtout avec toi. Ah vraiment? Ah vraiment, tu n'as donc pas peur de mourir? Non. Ok, très bien, puisque c'est comme ça. Tu l'auras voulu, je vais te tuer, et je vais te violer bien sûr, et puis je vais tuer un esclave que je vais mettre dans ton lit, je vais l'égorger, je vais le mettre dans ton lit tout nu à côté de toi, comme ça on aura l'impression que tu as trompé ton mari avec cet esclave et que tu t'es tué juste après. Espèce de monstre. Et donc là, Lucrèce elle a pas le choix, hein. Faut bien avouer que elle risquait non seulement de perdre la vie, mais aussi de perdre sa réputation, si elle refusait de coucher avec Sextus. Donc Sextus viole Lucrèce, et il rentre au camp, et Lucrèce fait venir, il fait appeler en catastrophe son père, qui était un général de l'armée, et son mari, Collatin, pour qu'ils viennent la voir, et elle leur demande de venir avec deux témoins. Donc, chacun prendra un témoin. Et ils arrivent, complètement affolés. Lucrèce, qu'est-ce qui s'est passé? Sextus, il m'a forcé à coucher avec lui. Si je refusais, il menaçait d'égorger un esclave et de le mettre dans mon lit tout nu pour faire croire que j'avais eu une aventure avec lui et que je m'étais tué juste après. Quoi, Sextus? Mais pourquoi il aurait fait ça? C'est mon cousin! C'est le fils du roi, et je crois tout permis. Il m'a trouvé très belle et
voulais coucher avec moi. Non, écoute, Lucrèce. Tout va s'arranger. On va l'attraper, on va faire un procès, on va faire ce qu'il faut. Non, quoi, attends, tu comprends pas, c'est fini, c'est fichu, là. Et puis, tu sais très bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un procès, c'est le fils du roi, qu'est-ce que tu veux qu'on ait? Non. Promets-moi une chose, quoi, latin. Oui, Lucrèce, dis, venge-moi. Et là, elle saisit une dague et elle l'enfonce dans son cœur. Elle meurt sur le champ. Les autres se précipitent, mais c'est trop tard, elle est morte. Et ils sont là, en pleurs. Colatin dit, je te jure, Lucrèce, je te jure que je te vengerai. C'est alors que le témoin de Colatin, qui s'appelle Brutus, avance. Alors Brutus, c'est un peu particulier parce qu'on le croyait stupide. Il ne savait pas s'exprimer. Et on le pensait très simple d'esprit. Mais pourtant, là, il arrive et il saisit l'épée. Enfin, la dague. Il la regarde. Lucrèce, je jure qu'on te vengera. Vous vous rendez compte, mes amis, de ce qui vient de se passer? Une femme de vertu, la fille d'un général, s'est fait violer par le fils du roi. Vous en avez pas marre, vous, de cette famille de Tarquin, là, qui se croit tout permis, qui se croit au-dessus des lois, parce qu'on sait très bien, elle a raison. On pourra toujours essayer de faire un procès. On peut toujours courir. Vous en avez pas marre, vous, que des gens soient au-dessus des lois, que des gens se croient supérieurs, de par leur naissance? Moi, j'en peux plus. Lucrèce, je te fais une promesse. Non seulement on va te venger, mais en plus, on va se débarrasser de ces rois-là. Il y en a marre. C'est plus possible. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que t'es pas la première à avoir subi ça. Des dizaines en ont subi avant toi. Mes amis, je le jure, devant vous, devant la dépouille de Lucrèce, dorénavant, nous n'aurons plus de rois. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'on arrête d'avoir des rois. Dorénavant, nous serons libres. Nous serons une république. Et nous serons des citoyens romains. Et nous serons tous égaux devant la loi. Là... Les autres se regardent, surpris de l'entendre parler aussi bien. Et peut-être sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère, ils le suivent. Ils décident de dire, ok, allons-y, faisons la République, débarrassons-nous de ce roi. Et ils y vont, ils marchent sur Rome. Alors ils prennent un peu les soldats du coin de Colati, puisqu'il y en avait quelques-uns, et ils marchent sur Rome avec la dépouille de Lucrèce. Et ils avancent, ils arrivent à Rome. On les laisse entrer, ce sont des généraux quand même. Et là... Ils alpaguent les gens qu'ils croisent et les soldats, et ils leur disent ce qui s'est passé. Et c'est comme si tout le monde, comme si Rome d'un seul coup explosait. Comme s'ils attendaient que ça, comme s'ils attendaient la petite étincelle pour s'enflammer, parce qu'ils en avaient marre de ces rois. Ils en avaient marre de ce Tarquin superbe. Et du coup, ils prennent les armes et ils ferment les portes. Ils attrapent la femme de Tarquin, ils la jettent hors de la ville, et dorénavant les Tarquins ne pourront plus rentrer. Et ils proclament la République. Alors Tarquin se rend sur place. Et pendant qu'il se rend sur place, un certain nombre de notables en profitent pour le contourner et arriver à l'armée qui était située à Ardé et à dresser l'armée contre le roi. Et comme c'était des généraux assez populaires, tout de suite l'armée se dresse et est vraiment folle de joie de pouvoir se débarrasser de ce roi et de proclamer la République. Et c'est ainsi que l'armée romaine se soulève. En une nuit, ça se passe. Et Tarquin est jeté hors de la ville. Or, il arrive bien dans la ville et là, il les menace de tous... De tout et n'importe quoi, de la mort, de même pire que ça. Mais les gens derrière leur fleuve le regardent et lui disent « va te faire foutre ». Et ainsi, la royauté est terminée. Alors, vous pensez bien que Tarquin allait pas se laisser faire, hein, bien sûr. Les Romains, en tout cas, s'attendent à ce qu'il réunisse au moins sa famille pour aller marcher sur Rome, mais il se passe rien dans un premier temps. On met en place la République, donc le Sénat prend le pouvoir, il élit deux consuls pour deux ans. Dans un premier temps, c'est Brutus et Colatin, mais sauf que Colatin, le problème c'est que c'est un Tarquin lui aussi, donc au bout d'un moment il finit par se faire évincer et puis c'est quelqu'un qui prend sa place. Mais il se passe rien, ils attendent que Tarquin réagisse et il se passe rien. Jusqu'à ce qu'ils apprennent en fait que, en réalité Tarquin est en train de s'arranger pour qu'il y ait un coup d'état au sein même de Rome, puisqu'un certain nombre de jeunes nobles profitaient bien du système quand même de la royauté. Et là, avec la République, l'idée de partager avec d'autres, ça leur plaisait pas trop, donc du coup ils avaient fomenté un coup d'état. Mais sauf que ce coup d'état a été découvert par un esclave qui a donc tout vendu la mèche, et ils se sont fait attraper, ils se sont tous les conjurés se sont fait tuer, et parmi ces conjurés, il se trouvait qu'il y avait les deux fils de Brutus, qui donc se sont fait couper la tête sous les yeux du consul. Quand il apprend que la conspiration a échoué, Tarquin réunit sa famille, il met en place une armée, et puis il marche sur Rome. Les généraux romains sortent aussi avec Brutus à leur tête. Et là, Brutus, à la tête de cette armée, il voit que à la tête de l'armée adverse, il y a Reince, un des fils de Tarquin,
qui donc l'insulte comme pas possible, hein, forcément, hein, et ils se jettent l'un sur l'autre à une vitesse colossale, et en fait, une fois qu'ils se choquent, bah, ils se transpercent l'un l'autre avec leur épée et ils meurent bêtement comme ça. Oui, c'est une fin assez particulière pour le héros de la République, mais c'est comme ça qu'il se termine. Alors la bataille est bien sûr sanglante, personne ne veut rien lâcher, et jusqu'à la fin de la journée, elle est indécise, mais finalement, on raconte que c'est les Romains qui gagnent, et du coup, les Étrusques s'en vont. Donc les Romains sont fous de joie, ils pleurent bien sûr Brutus, leur héros, et pendant ce temps-là, Tarquin, lui, il faut qu'il trouve une autre armée, quoi. Donc il fait un peu le tour des villes, et puis il finit par arriver un peu au nord, dans une ville de Toscane, chez le roi Porsena, qui est un roi étrusque. Et il lui fait le topo, et le roi étrusque, il réfléchit, et il se dit, effectivement, ouais, c'est un peu embêtant, je veux dire, que là, leur idée de république, ça pourrait avoir un effet tache d'huile, quand même. Enfin, je veux dire, ça pourrait arriver jusqu'à moi, j'aimerais pas trop qu'ils essaient de me mettre à bas. Puis accessoirement, en même temps, Tarquin, c'est un étrusque, donc c'est quand même mieux pour le commerce, pour la diplomatie, d'avoir un étrusque à la tête de Rome, plutôt que des consuls qui changent tous les 2 ans. Enfin, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Et du coup, il fait son armée, et puis il marche sur Rome. Alors, il faut savoir que l'armée de Porsena, c'est l'une des armées les plus redoutables de toute l'Italie. Donc les Romains, ils ont quand même un peu peur, quoi, parce qu'à l'époque, Rome, c'est pas l'Empire romain, quoi. C'est une cité, voilà. Bon, une cité un peu opulente, qui avait une bonne armée, mais c'était pas non plus l'armée future qu'ils allaient avoir, quoi. Donc, ils sont un peu en stress, donc ils se préparent à ce qui est pas un blocus, mais un siège de la ville. Finalement, l'armée de Porsena, elle arrive. Alors, elle va au contact de l'armée romaine, et l'armée romaine se fait laminer, quoi. Donc, ils s'enfuient tous, c'est vraiment la débandade, tout le monde s'enfuit, ils essaient de... Alors, pour rejoindre Rome, en fait, il faut traverser une rivière, le Tibre, et il n'y a qu'un seul pont qui permet de traverser cette rivière. Tout le monde se réfugie dans le pont, mais l'armée étrusque est vraiment sur leurs talons et ils risquent de pénétrer dans la ville en traversant ce pont. Mais heureusement, il y a un homme qui s'appelle Coclès. Coclès, ça veut dire le borgne, donc il était borgne, c'est pour ça qu'on l'appelait Coclès, qui était à la gare de ce pont, et il alpague les gens. Il leur dit « Mais venez donc, il faut qu'on tienne, faut qu'on tienne ce pont, sinon on est fichu !» Mais il n'y a personne qui l'écoute, tout le monde est paniqué. Il y a 2 hommes seulement qui le suivent. Et donc ils se mettent au bout du pont, et ils se mettent en mode « Vous ne passerez pas !» Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Et donc ils résistent tous les trois au choc de l'armée, et grâce à leur vaillance, ils réussissent à repousser la première salve d'attaque. Puis il y en a une nouvelle et ils essaient de tenir. Ils savent qu'ils tiendront pas, de toute manière. Ils savent qu'ils sont que 3, ils vont se fatiguer. En face, ils ont une armée avec plusieurs centaines, voire des milliers d'hommes. Mais il faut qu'ils tiennent le temps que derrière, ils cassent le pont pour que Rome soit plus difficile à prendre, s'il n'y a plus de pont pour y accéder. Et donc ils se battent, et au bout d'un moment, il y a quand même les Romains derrière qui les appellent, qui leur disent « Venez, 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 c'est bon là, il reste juste un petit passage !» Coclès y regarde. « Allez-y les gars, moi je vais rester là, parce que là, faut qu'il y en ait un qui tienne quand même, parce que là, il y a encore un trop gros passage, ils risquent tous de passer. T'es sûr Coclès? Tu vas être tout seul. Faites ce que je vous dis, allez-y !» Et donc, Coclès tient face à l'armée, il résiste tout seul, il reçoit des javelots, mais il réussit à se protéger de son bouclier, et il se bat comme un forcené, et au bout d'un moment, le pont s'effondre. La Coclès, il se dit « Ah, ok, c'est bon. Dieu du Tibre, protège-moi !» Et il se jette dans le fleuve. Et, miracle, il réussit à rejoindre la rive, et à atteindre, à se retrouver à Rome. Alors, comment il a fait avec son armure, ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, il a réussi. Alors, bien sûr, ça devient un héros national, bon, on lui fait des statues, on lui donne de l'argent, mais aussi, comme on est en période de... pas encore de disette, mais de rationnement, lui, par contre, il n'a pas besoin du rationnement. Il reçoit toute la nourriture dont il a besoin, donc il est vraiment à l'abri du besoin à ce niveau-là. Et donc, Porsena fait le siège de la ville, et le siège dur. Le but, c'est bien entendu qu'ils aient plus de vivres et qu'ils crèvent pratiquement de faim dedans, et que au bout d'un moment, les Romains finissent par abandonner parce que sinon ils meurent. Je suis pas sûr que ce soit très traité de Genève, ça, mais bon, à l'époque ça se faisait. Et donc la disette s'installe. Les gens crèvent de faim, c'est dur parce que ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis il y a un homme qui s'appelle Mucius, un jeune homme, qui a une idée. Il va voir le Sénat, il leur explique son idée. Le Sénat lui dit d'accord. Donc il se déguise en étrusque et il se rend sur le camp étrusque. Il se glisse un petit peu jusqu'à arriver près du roi. Et là, il voit qu'il y a 2 personnes habillées de manière très opulente qui sont en train de faire un jugement. Mucus, il est là, il regarde, il hésite. Et il se jette sur celui qui semblait parler le plus. Il le tue, d'un seul coup.
Manque de vol, c'était pas le bon. Ah. Donc il essaie de s'enfuir, mais forcément il se fait attraper. Et puis on le met devant Porsena. Qui es-tu? Je m'appelle Mucus. Et je suis venu pour te tuer. Me tuer? Qui t'envoie? Qui t'a donné cet ordre? Si tu crois que je vais te le dire. Tu veux pas me le dire? Très bien. Amenez du feu. On va un peu le brûler pour le faire parler. Comme si j'avais peur du feu. Il se dresse. Il y avait un réchaud, non loin, avec des flammes qui en sortaient. Et il s'y rend. Juste à côté, les gens le regardent, un peu surpris. Il met sa main dans le feu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Mais retirez-lui sa main! Qu'est-ce qui t'a pris, là? Le feu me fait pas peur, la douleur me fait pas peur, j'en ai strictement rien à faire. Je suis même prêt à mourir pour ma liberté. Alors tu penses bien que tes flammes, là, si tu crois que ça va me faire parler? Je vois que tu as du cran. Ça me plaît bien, ça. Ok, qu'on le libère, renvoyez-le à Rome. Les conseillers se regardent, surpris, mais qu'est-ce qui lui prend? Je vois qu'on est entré de gentleman. Très bien, puisque c'est comme ça, je vais te dire quel était le plan. Et là, il fait le coup de bluff de toute l'histoire. Figure-toi qu'on est 300 jeunes gens qui avaient été désignés par le Sénat pour te tuer. Et nous sommes tous comme, ils sont tous comme moi. C'est-à-dire qu'on craint pas les flammes, on craint pas la mort. Tout ce qui nous intéresse, c'est la liberté. Et on est prêt à tout. On est prêt à mourir, on est prêt à tout ce que tu veux pour la liberté. Et on est 300 et on doit te tuer. Alors là, tu en as eu un, oui, certes. Mais derrière, il y en a 299 autres. Est-ce que tu arriveras à tenir? À chaque fois que tu vas marcher, va falloir que tu fasses attention. Puisqu'on est vraiment prêt à tout, hein. On se déguisera. Tu seras libre nulle part. Et même si par hasard tu arrivais à vaincre Rome, on continuera à te suivre. Jusque chez toi. On n'hésiterait pas à te tuer. Là, Porsena est blêmi. Il se dit, non mais... ils sont sérieux là, les gars, là? Enfin, je veux dire, je veux bien me battre pour mon pote Tarquin, enfin, mon pote. Je vais pas dire que je l'apprécie énormément, hein. C'est un peu quand même, déjà il tire au flanc et puis en plus il est complètement insupportable. Hein. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mourir pour lui? Bon d'accord, c'est vrai que ça m'embête un peu qu'il pue de royauté à Rome, hein, parce que la République, bon, hein, les gens ils commencent à avoir des idées de liberté et puis après on sait pas jusqu'où ça va quoi. En même temps, bon, ils sont loin de chez moi, est-ce que vraiment je mérite de mourir pour ça? Et il finit par dire, ok, je vais signer un traité de paix. Donc il se rend au Sénat et il propose la paix sous ses conditions. Alors les conditions qu'il propose, c'est de rétablir la royauté romaine. Là, les sénateurs, ils regardent ça, ils font... Donc c'est non recevoir. Il demande aussi à ce qu'on redonne le territoire des Veillesses, donc le territoire que les Romains avaient annexé pendant la première bataille contre Tarquin. Il lui donne, ok, et puis il lui demande des otages. Ok, très bien, allez, on lui donne des otages, mais on n'est pas à quelques personnes près. Ok, c'est bon, la paix est signée. Alors, il va se coucher, Porsena, la nuit, et puis on le réveille en catastrophe. Chef, on a un petit pépin. Quoi encore? J'ai mal à la tête, là, vas-y, dis. Bah, en fait, tu te rappelles les otages, enfin, une partie des otages, les filles, tu te rappelles de Clélie, par exemple? Ah oui, Clélie? Ah oui, je m'en rappelle, oui. Oui, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, on les avait laissés un peu trop près du fleuve et elles ont réussi, notamment Clélie, et puis elle en a emmené avec elle. Elles ont réussi à s'enfuir et à rejoindre Rome à la nage. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Elles ont rejoint Rome à la nage et il y a personne qui a essayé de leur tirer des flèches, de quoi que ce soit pour se débarrasser d'elles? Ah, ils ont essayé, mais... Oh là là, c'est Romain, mais jusqu'où ils sont prêts pour avoir leur liberté? Ils m'énervent, c'est... Ah, plus ils ont peur de rien. Ah si, peut-être une chose, que le ciel leur tombe sur la tête, ça me rappelle quelque chose. Bon, mais c'est irréductible le Romain, vraiment. Bon, ok, fatigue. Ok, très bien, dites à Rome de nous rendre Clélie, je vais la libérer. Elle l'a bien mérité après tout. Oh, c'est vraiment, je te jure, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire la guerre contre cela, vraiment. Et donc, il fait ça. Clélie arrive et il la libère officiellement et lui donne un certain nombre de, lui rend un certain nombre d'otages. Et donc, Clélie revient à Rome, vraiment, c'est l'héroïne du pays. Et c'est ainsi que la guerre prend fin, que Rome devient une république. Il y a juste un petit épilogue, quand même. C'est que, bon, Porsena, ok, il fait croire qu'il a gagné la guerre. En fait, il a pas vraiment gagné. Et puis, il y a un petit problème, c'est qu'à son armée, bien sûr, quand vous proposez à des gens de venir faire la guerre, vous leur promettez pillage, viol, etc. Hein. Mais sauf que là, les gens, ils ont pas eu ça. Donc, il est obligé d'aller faire la guerre à une autre ville pour que, au moins, l'armée puisse avoir son contentement.
sauf que manque de bol, ils perdent la guerre et ils se font poursuivre par leur adversaire. Et c'est là, pareil, à leur tour, c'est des mandats chez les Étrusques et ils se réfugient où ils peuvent. Et un certain nombre se réfugient à Rome. Et il se trouve qu'à Rome, ils sont vraiment accueillis, mais comme ça, quoi. On leur donne à manger, on s'occupe d'eux, on les loge, etc. Mais vraiment, ils en sortent de Rome tout à fait ravis. Hein. Franchement, au lieu touristique, pas de problème, quoi. Porsena, qui apprend ça, est très content que les Romains, qui étaient leurs anciens ennemis, protègent ses soldats. Et du coup, comme en fait, même s'ils faisaient la guerre aux Romains, ça reste un brave type, eh ben, il leur redonne le territoire des Veillesses, et puis il leur rend un certain nombre d'otages, et puis il signe un bon gros traité de paix, où vraiment là, tout le monde est gagnant, sauf Tarquin, bien sûr, qui lui a strictement rien, enfin il a juste ce qu'il mérite. Et voilà comment la paix est signée. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'il arrive à Tarquin. Bon, il finit par mourir plus ou moins de vieillesse. Par contre, Sextus, lui, donc celui qui avait violé Lucrèce, il a fini par se faire assassiner quand même. Hein. Oui, hein, parce qu'on l'avait un peu oublié celui-là, mais s'il avait pas été là, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Voilà. Cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce sur le haut si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à Twitter, à Facebook pour suivre l'actualité de la chaîne et de mon blog, puisque il se trouve que j'ai un blog. Voilà, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine pour la suite de nos aventures.